Salut les gones, salut les phonodes, j'espère que vous allez bien. Voilà, petit débrief. Strasbourg-Lyon, victoire 2-1 de Strasbourg. On est là avec les consultants. De Lyon. De Lyon, naturellement. Voilà. Comment va Jules Papigone? Ça va, ça va. Bon, on a gagné. On va retenir les 3 points. Tu as dit des supporters de Lyon, Julien, c'était Lyon qui jouait là ce soir? Non, j'ai dit victoire 2-1 de Lyon. Non, je laisse finir Julien, excuse-moi Julien, vas-y. T'as pas compris. Les pouces et les abonnements, les gars, ça fait plaisir. Comment il va, mon Pierre? Moyennement, j'ai envie de te dire. Match moribond. Voilà. Je le vis presque comme une défaite ce soir, honnêtement. Mais bon, non, les 3 points. On a gagné. Non, les 3 points quand même, mais c'est vraiment tout ce qu'on va retenir ce soir, quoi. Des fois, il faut savoir gagner en étant mauvais. C'est ce qu'on a fait. On a été à chier. Mais on va en parler, mon Pierre. Kenneth, comment il va? Bon, le seul plaisir, c'est de vous retrouver, mes amis. Voilà, tout simplement. Bon, les gones, allez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va attaquer l'émission de fou. Comment vous faire rester avec nous pour parler de cette daube qu'on a vue? Et oui, c'est ça le challenge de ce soir, essayer de parler d'un match de merde. Mais vous inquiétez pas, il y a tellement à dire sur le coaching absolument dégueulasse de Monsieur Rudy Buquet. Mais mon pauvre, j'en ai vu des arbitres mauvais, mais toi, ça ne change pas. Voilà, on continue. On parlera aussi de l'entrée d'Aouar qui a été fantastique, mais aussi on parlera naturellement du schéma tactique de Laurent Blanc, qu'on a tous, je pense, trouvé absolument dégueulasse. Mais ce n'est pas grave. Bon, je vais rapidement vous dire ce que j'ai aimé, enfin, ce qui s'est passé un peu dans le match. Une première mi-temps où Lyon démarre pas mal, c'est un peu serré. Et après, on prend l'eau, clairement, on n'est pas bon. Le match est assez serré, mais c'est un non-match un peu des deux côtés. C'est pas un très beau match. Il avait raison, le supporter strasbourgeois. J'arrive à peine à vous dire ce que j'ai vu du match. C'était pas bon. On met un but un peu contre le cours du jeu à un moment donné. Bon, on s'en prend un. On met un but sublime de Barcola, qui est refusé pour un doigt de pied ou une dreadlocks. Et derrière, j'ai l'impression qu'on s'effondre psychologiquement. On n'arrive plus à rien. On est dépassé, complètement aux abois. On finit par prendre un but. Vous me dites si je me trompe ou pas, hein, mais je crois que de tête, c'est ça. On finit par prendre un but. Le match est chaotique. Et derrière, je ne sais par quel miracle, on égalise par une tête de Tolisso et un but de Lukeba. On continue le match, on est dominé, on n'est pas bon, mais force est de constater, c'est qu'on a du cul. On finit encore par marquer sur une belle passe d'Enrique pour Cacré. Cacré qui s'est mis à mettre des buts maintenant. Et derrière, un non-match, une purge totale, on a été obligé de se mettre les yeux comme ça, les bibis, pour regarder le match tellement c'était nul à chier. Mais bon, on a tenu, on a gagné. Force est de constater, c'est que c'était mieux la semaine dernière, mais on a perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On gagne en étant nul, mais au moins on gagne. Voilà. Jules Papigone, qu'est-ce que tu as aimé, tiens? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tu as droit de rien avoir aimé. Hein. J'ai aimé le fait qu'on perde 1-0, qu'on gagne quand même. Puisque en début de match, les commentateurs se sont gossés de dire celui qui marque en premier, l'autre n'arrivera pas à revenir. Celui qui a marqué en premier, bah, c'est l'autre qui est revenu. Puis quand on est revenu, nous, les autres sont pas revenus. Enfin bon, bref, voilà, ça met un petit peu les statistiques comme ça en disant Lyon, quand ils prennent un but, après, ils n'y arrivent pas. Bon, bah, la preuve que si. Donc ça, j'ai bien aimé le fait que bah, on ait réagi, entre guillemets, parce que c'est il faut se contenter du peu qu'on nous donne. Après, j'ai pas aimé le match en règle générale. Mais bref, des deux côtés, parce que franchement, même Strasbourg, t'avais pas l'impression que les mecs jouaient leur vie. Donc, je sais pas. Je sais même pas quoi penser, parce que c'était vraiment moyen. Je parle même pas du coaching qui était désastreux. Le problème, c'est que entre nous, on en parle, et quand t'essayes un petit peu de comprendre ce qu'il fait, tu passes pour un trop blanc, donc à la limite, vaut mieux rien dire. Mais c'est vrai que là, j'ai pas compris. Après, une chose est sûre, ben voilà, il a gagné. Alors, papa, avec son coaching désastreux, mais il a gagné. C'est voilà. Mais bon, il n'a pas essayé de comprendre, là. Hein. Ben, si, les choses qu'il fait, lui, il doit les comprendre. J'espère quand même qu'il les fait avec un but. Donc, tu peux essayer de comprendre ce qu'il fait. Maintenant, qu'il fait, c'est sûr, c'est qu'il a gagné. Donc, tu ne peux rien dire. Sur le « il a gagné », je suis d'accord. Sur « on a pris les 3 points, c'est l'essentiel », je suis d'accord. Sur « je comprends certains changements », oui. Parce que quand tu remplaces Mendes pour Le Penant, je l'entends. C'est un très bon changement parce que Le Penant, il va aller presser. D'ailleurs, il a fait une très bonne entrée.
quand tu remplaces Sarr par Barcola, je l'entends parce qu'il va chercher la profondeur. En revanche, bon, il y a que les résultats qui comptent. Donc il a gagné. Mais j'aurais changé de tactique. Hein. La tactique était désastreuse. Hein. La tactique était désastreuse. Et le fait de faire rentrer Aouar, je crois qu'il m'a terminé sur le sol. Hein. Quand j'ai vu Aouar rentrer, oh, je jure, j'aurais pris un KO par Mike Tyson, c'était pareil. Hein. Et alors, une entrée d'Aouar, j'ai cru que j'allais vomir devant mon écran. J'étais à deux doigts de me foutre les deux doigts dans la bouche pour dégueuler. Tellement c'était moche. Mais enfin bon, continue papa. Bah oui, moi j'ai fait un short hein, pour expliquer ça. Moi j'arrive pas à comprendre quand on est à 6 matchs de la fin. Putain, mais t'as le choix entre Aouar et un mec qui n'a jamais joué, un jeune, eh ben tu mets le jeune. Parce que honnêtement, tu peux m'expliquer quel est le but de faire entrer un mec qui s'en va, parce que ce type-là, il s'en va. Ça fait 3 ans qu'il n'est plus impliqué dans le club. Qu'il soit bon ou mauvais, je m'en fous, c'est même pas la question. J'ai un El Arouche qui joue jamais, qu'on nous présente comme peut-être une future pépite. Il reste 6 matchs. Si tu le mets pas maintenant, tu vas le mettre quand? Aouar, c'est incompréhensible. Incompréhensible. J'essaie de comprendre, moi. J'essaie de comprendre. Moi, je me suis dit, il veut punir Cherki, donc il le fera pas rentrer. Et j'ai eu raison parce qu'il l'a pas fait rentrer. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y avait d'autres solutions. Tu avais Jeffinho. Mais qu'est-ce qui l'amène déjà? Qu'est-ce qui l'amène à Aouar? Prends la bouche. Bah, c'est pour le valoriser pour qu'il refuse Francfort et l'AS Roma, tout simplement. À le valoriser. Bah, mais... J'espère qu'il y avait les recruteurs de Francfort et de l'AS Roma devant leur télé. Hein. Bah, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Il s'est permis. Non, mais attends. Mes amis, il est aouariste. Il s'est permis de refuser la Roma et Francfort, quand même, les gars. Oh. Pour y aller. Non, mais il va y aller à la Roma, pardon. Il va y aller. Ah, une entrée. Oh, avec va, la plus mauvaise. Il nous a fait une gommis qui avait refusé voilà. Swansea pour aller à Swansea. Voilà. La prime à la signature est peut-être meilleure hein, maintenant. Non, mais bon, après, voilà, ça, c'est un choix que j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il est encore footballeur à voir? Est-ce qu'il en. Je me pose encore une question. Non, mais même s'il était bon, même s'il était bon, ce que je veux dire, t'es à 6 matchs de la fin, t'as un mec qui s'en va, c'est fini, c'est terminé. Ah non, tu dois mettre un joueur, mais un joueur qui va jouer l'année prochaine. Depay, on savait qu'il allait se casser, et pourtant, il tenait l'équipe à bout de bras. Il y a des contre-exemples. Oui. Oui, mais c'était pas pareil. C'était un mercenaire de Paris. J'adore ce joueur. Attention, c'est sûrement l'un des derniers joueurs qui m'a fait vraiment frissonner à l'Olympique Lyonnais. J'adorais même l'homme. Hein, je suivais beaucoup sur les réseaux. J'aimais bien un peu son côté bling-bling, excusez-moi du peu. Mais j'aimais un peu le personnage, ce qu'il dégageait. Et c'est un mercenaire, mais en attendant, il est posé sur le terrain. Il était professionnel. Et ça me débecte de voir des. Je vais te laisser finir, Jules. Excuse-moi, je te coupe pas la parole 2 secondes. Mais. Oh les gars, vous vous souvenez des joueurs qu'on a eu qui posaient les coups sur le terrain et là vous vous branlez sur des cacrés qui font des quelques bons débuts de match par-ci par-là sur face à des équipes de bas niveau de Ligue 1. Ah oui, certes, c'est bien. Il fait un match sur combien, cacré, on peut dire, Julien? Non, mais attends, il a même pas fait un bon match. Si, il y a personne qui a été bon. Si, au live, parce qu'il a marqué. On t'a dit, dis-le que cacré il a été bon. Dis-le, Julien, dis-le. 12 duels, 3 gagnés. Non mais les gars, rappelez-vous des. Après c'est pas le pire, hein. Franchement aujourd'hui on parle de Mendes. Oh. Si GLF, il y a des gens qui se branlent sur Cacré comme il y a des gens qui se branlent sur Cherki, sur Aouar encore. C'est un fait. Et ouais non ouais c'est par contre ouais c'est catastrophique aujourd'hui. Attends papa, on sort du sujet, fini s'il te plaît, on passera à Pierre et après feuille ciseaux. Ouais donc je comprends pas ce coaching sur Aouar qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas la question, c'est qu'à partir du moment où il reste 6 matchs. Commence à intégrer le futur au lieu de réintégrer le passé. Le passé, quoi qu'il arrive, à voir, c'est le passé. Dembélé, c'est le passé. Ne les mets plus, bordel. Mets-moi des mecs du futur. Mets-moi une future pépite qu'on n'aille pas se faire chier à chercher un transfert alors qu'on a le mec sous la main. Tu dis, c'est stupide. À un moment donné, teste des gars. Il espère quoi? Voilà, maintenant, le problème, c'est qu'on peut toujours espérer. C'est ça le problème. Ça fait chier, quoi. À la limite, je préférais qu'on perde tout comme ça, bon, on n'espère plus. Mais là, voilà, maintenant, on est ex-aequo avec Red, 3 points de Ligue, si jamais ils perdent, on va encore se faire des nœuds dans le cerveau, on sera pas européen. Mais bon, voilà, on espère. En attendant, on n'avance pas. Et ce que moi, je vois, c'est le futur. Et pour le futur, il faudrait mettre des LR rouges, des Sekou, les gars, des mecs comme ça, mais on les met pas. Voilà, on se contente de ce qu'on a. Bon, bah, c'est bien, mettons le passé. On va faire revenir, j'en sais rien, moi. Boateng et machin, c'est parti. Je comprends pas son coaching. Voilà. Pierrot, après, pour ça, par contre, il faut bien qu'il joue de temps en temps.
parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont dit pourquoi il a mis Sarr et pas Jeffinho, mais il faut bien qu'il joue, parce que sinon ça va devenir un mec comme s'il était blessé, c'est-à-dire que le mec pendant 3 mois il joue pas, et après le jour où il va revenir on va le gueuler dessus parce qu'il est pas bon. Faut c'est quand même ça, le faire jouer, donc Sarr c'est plus compréhensible déjà. C'est pas ça, c'est que Jeffinho a montré des choses intéressantes, oui, c'est normal de pas le voir rentrer, je suis désolé. Moi je mets Jeffinho quand elle passe à voir, là. Quand Aouar rentre, il met Jeffinho. C'est là qu'il aurait dû faire rentrer. On passe au sujet, on en voit, parce que déjà que le match est nul, si on se met à parler que du match, on va essayer d'avoir des sujets. Pierre, on t'écoute. Je ne te jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Je l'ai sorti, tu peux y aller. C'est bon, j'ai toutes les refs. Mais j'ai ma feuille. Et il a sa feuille, vous avez tout noté. Allez, c'est bon, on a fait toutes les vannes sur Pierre, maintenant on passe. Pierre, à toi. Non, match, franchement, pas grand-chose à retenir. Match moribond, tactiquement, techniquement, physiquement, à tous les points, hein, à tous les points, à toutes les lignes, même défensivement ce soir, j'ai trouvé, notamment la personne de Loukeba qui enchaîne un deuxième mauvais match, qui se fait expulser un peu bêtement. Carton jaune sévère le premier. Oui, mais pour l'ensemble du match, il était quand même limite, j'ai trouvé. Peut-être un petit peu sévère, mais bon. C'est dans la lignée un peu de sa dernière performance aussi. Un peu moins en confiance, beaucoup d'erreurs techniques, de placement, notamment de relance, alors que c'est plutôt son point fort. Non, pas grand-chose à retenir. Très, très déçu de la compo de Laurent Blanc au début du match. L'impression qu'on allait affronter le Real Madrid. Avec 8 joueurs à vocation défensive. Pareil, dans la compréhension de la rentrée d'Aouar, je rejoins Ken également, je vois pas pourquoi Jeffinho rentre pas dans ce match. Alors je pense qu'il y a une explication, c'est que Blanc a eu peur, tout simplement. Il a eu peur. Il a pas voulu changer. Je pense que si on prend le deuxième but, on n'a pas les mêmes changements. Clairement, on a eu l'habitude de voir rentrer beaucoup d'offensives en fin de match, notamment quand on perdait, mais très très rarement quand on a mené. Donc, Pierre, je pense qu'il est. Pierre, je te coupe quelques secondes, mais tu joues à 10 à Kawar. Ah, mais complètement d'accord. Et tu pouvais faire reculer. Il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a même pas de débat. Tu mets Jeffinho, tu mets les deux devant avec ça, et tu fais reculer la casette en faux 10. Comme il disait, Laurent Blanc l'a jamais fait. Je vois pas pourquoi il l'aurait fait ce soir contre Strasbourg. Il reste dans la lignée de ses choix qui sont pas toujours compréhensibles. Hein. Dembélé rentrait aussi pendant un moment. Bon, du coup, on le voit plus. Bonne nouvelle. Et Aouar, je pense qu'en fait, il y a même pas de débat. Aouar doit pas rentrer ni dans ce match ni dans un autre, en fait. Donc, je suis pas étonné que Laurent Blanc mette pas la rouge non plus. Il l'a pas fait jouer jusqu'à maintenant. C'est pas à 5 journées de la fin qu'il va le faire rentrer, de toute façon. Je suis d'accord sur le fait qu'il devrait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a une réflexion en se disant qu'on est encore pas trop loin, qu'on peut peut-être encore jouer une place européenne. Et donc, La prise de risque est totalement abolie. Blanc, c'est pas quelqu'un qui fait des choix extraordinaires, hein, même si je suis un grand défenseur de Blanc. Aujourd'hui, les choix forts qui ont été faits de la part de Blanc, c'est parce qu'il a pas eu le choix, de toute façon. Donc, pour certains en tout cas. Donc, non, voilà, match décevant. On prend les 3 points, on recolle, même si les deux adversaires devant nous ont plutôt 2 matchs faciles ce week-end. On leur met un petit peu de pression, c'est toujours ça. Voilà. Très bien, Pierre, Twitch, Ken, Monsieur Ken, allez vous abonner à son Twitch d'ailleurs. Oui, merci mon cher Julien. Allez voir un petit peu le 3-4-3 qu'il vous met sur Twitch, sur FIFA. Vous allez voir un petit peu titularisation d'un Boateng derrière. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Voilà, avec Mendes en pointe là, en bas, en 6, pointe basse, ouais. Et il se tente un truc devant avec Cacré, le pénant, voilà, voire même une redescente en 8 absolument horrible de Cherki, histoire de dire comme ça, t'as aucun mec qui défend. Voilà, enfin bon, je m'imagine des scénarios absolument horribles. Dis-nous, mon Ken, comment il va? Je vais me forcer à sourire parce qu'apparemment c'est chiant de me voir faire la gueule à chaque fois, à chaque match. Mais ne fais pas la gueule, on a pris trois points. Non, mais je fais juste un préambule parce que, en fait, excusez-moi du peu d'être exigeant avec l'Olympique Lyonnais et excusez-moi, je paye un abonnement et je ne vais pas au stade
certes, c'est mon choix. Je n'ai peut-être pas à faire subir mon mécontentement, mon côté moribond. C'est tes yeux qui ne fais pas subir. C'est important, ça. Mais, parce que saigner des yeux tous les week-ends, c'est douloureux. Mais excusez-moi du peu. OK, les 3 points, moi, ça ne me suffit pas, les 3 points. Je suis un romantique du foot. Et les résultats, j'en ai, et le beau jeu, j'ai envie de le voir à l'Olympique Lyonnais. Ça, fin de mon préambule. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le cas Laurent Blanc. Moi, je pense qu'il a des choix. Maintenant, est-ce que ces choix, il peut les travailler ou est-ce qu'il s'avérerait payant s'il les fait? Ça, c'est autre chose. Même si je n'aime pas forcément Laurent Blanc, l'entraîneur, pas l'homme, hein, l'entraîneur, et je ne me prétends pas du tout être à son niveau. Hein, pour moi, il est largement plus fort que moi. Je ne vais pas lui apprendre la messe. Mais quand je vois un Da Fonseca qui prône un jeu offensif, protagoniste, d'accord, on ne se dit pas que Lille va faire une saison à la Lilloise hein, cette saison, avec du beau jeu, l'un des plus attractifs de Ligue 1. Mais quand il perd ses latéraux, il trouve des solutions en mettant des pistons ailiers. Je pense à Bamba à gauche et je pense à Timothée Weah à droite. Il tente des choses. Moi, je vois un Laurent Blanc qui s'adapte constamment à l'effectif qu'il a en face de lui. D'ailleurs, j'en ai parlé, on a eu un débat avec Pierre qui me rejoignait plus ou moins, même si lui, pour lui, il n'a pas les joueurs à l'instant T, chose que j'entends et chose qui peut être possible. Mais moi, j'en ai marre, en fait, j'ai l'impression qu'il s'adapte tout le temps à l'effectif qu'il a en face de lui. Il ne tente jamais quelque chose pour produire un jeu plutôt protagoniste. Encore une fois, j'entends, il n'a peut-être pas les joueurs à sa disposition, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est travaillé. Il fait rentrer Amine Sarr. Peut-être qu'il est totalement, ça sera un total flop. Hein, on se dira, mais en fait, il ne pourra jamais rien faire de ce joueur. Mais tu as l'impression que quelles ont été les consignes d'Amine Sarr lorsqu'il est rentré? Il était perdu. Enfin, pourquoi tu fais rentrer ce joueur? Quel était son but en fait? Attends, moi, tu trouves que Sarr, il fait une mauvaise entrée? Il lui donne du temps de jeu. Ah bon, vous attendez quoi? Vous attendez quoi de lui? Qu'il prenne le ballon et qu'il aille marquer? Il joue jamais, il sera jamais bon. Non, mais il rentre juste pour faire le pressing, essayer de imposer un peu son physique. Je ne l'ai pas trouvé nul. Qu'on parle de l'entrée d'Aouar. Bon, j'ai cru que j'allais chialer. Parce que tellement il a été mauvais. Mais dans ce cas-là, quel est ton but? C'est de pouvoir vraiment. Mais c'est de pouvoir emmener une profondeur et peut-être être bon dans les duels aériens sur un centre. Tu fais rentrer des joueurs plutôt virevoltants sur les ailes. Pas sur les ailes. Il ne veut pas changer de tactique. Ah, Jeffinho, mais je suis désolé, je viens te donner le contre-exemple avec un Da Fonseca où il arrive à te mettre un Jonathan Bamba à gauche en piston, d'accord, qui est ailier de base. Il arrive à te mettre un Timothée Weah qui n'a jamais joué piston de sa vie et qui arrive à le convertir piston. Ça, c'est la force d'un entraîneur pour moi, qui arrive à s'adapter à son effectif et à pouvoir faire changer des joueurs. Attention, Da Fonseca est depuis le début de saison. Laurent Blanc vient de reprendre une équipe malade. Okay, oui, et puis il a 3 points d'avance sur Lyon, hein, avec soi-disant. Ouais, mais d'accord, mais tu demandes aujourd'hui aux supporters lillois, est-ce qu'ils prennent le pied? Et encore une fois, on parle de budget, on parle d'objectifs de club. Je suis désolé, on parle des supporters de Lille, même si tu trouveras toujours des mécontents à boire et à manger partout. Mais en attendant, ils prennent leur pied quand ils voient leur équipe jouer. Nous, est-ce qu'on prend nos pieds? On prend notre pied quand on voit notre équipe jouer. Nous, on dit, oh, bah, après tout, on a eu les 3 points, mais encore une fois, on était peut-être mieux. Le week-end dernier, mais on était face à une équipe beaucoup, beaucoup plus forte. Là, tu tombes face à un Strasbourg, je suis désolé, qui a forcément des individualités beaucoup plus mauvaises que Marseille, donc forcément, ils concrétisent moins leur action dans la finalité. Mais tu pouvais perdre ce match comme tu pouvais le gagner, comme tu pouvais faire nul. Je suis désolé. Je vais répondre. C'est le principe du football. Il n'y a pas une quatrième possibilité. Yanis, c'est faux. Tu peux regarder Bamba a joué piston sur les ce gars, match avec Da Fonseca. Je vais répondre à Logan parce que je ne suis pas fan de la bagnole. D'accord avec Monsieur Ken, pour moi, Laurent Blanc est aussi nul que Bosch. Je vais faire simple. Bosch, c'est 1,60 points par match de moyenne. Blanc est à 2 points depuis janvier. Si tu veux me comparer Peter Bosch, qui a eu à sa dispo des Paqueta et des Guimaraes, à Laurent Blanc. Ouais, mais ça, Julien, et encore une fois, je n'ai pas dédouané Bosch, mais encore une fois, il était nul à chier Bosch, oui, un truc de fou. Mais il faut prendre les contextes aussi. Moi, je te prends les contextes. Oui. Il part l'hiver, il faut se le rappeler, lorsque Peter Bosch, il prend en compte Lyon. Il y a un mercato qui est fait en fin d'été, d'accord, où il y a une tentative de vouloir construire. Il laisse l'équipe en lambeau, hein. Ouais, ok, Julien. Oui, t'as Charletti. Non, mais attends. Il faut prendre tout le contexte. Je me suis répété, j'ai déjà dit en live. Mais tu as Charletti et tu as tout le quoi qu'on interne avec Juninho. Comment tu veux qu'un entraîneur il travaille sereinement dans un environnement pareil? Encore une fois,
Je suis d'accord avec toi. Sûrement, Bosch n'était pas l'homme de la saison. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans un parlant foot où j'étais possiblement en me disant que pourquoi pas Laurent Blanc avec son charisme, avec son statut, allait pouvoir faire quelque chose de cette équipe. Mais je suis désolé. Pour moi, pour l'instant, je ne vois pas une amélioration, ni, ne serait-ce que juste, enfin, une amélioration sur le jeu. Sur, ah, mais sur le jeu, mais attends, on est tous d'accord avec toi. Sur cet aspect-là. Hein. Le résultat, oui. Mais bon, voilà. Messieurs, on passe au sujet, sinon on n'avance pas et en plus, on patauge. La tactique de Blanc. Ah oui, je vais pas être sympa. Bon, moi, Blanc, je reste très pragmatique sur Laurent Blanc. C'est-à-dire que, enfin, moi, Laurent Blanc, je pense que, franchement, il n'est pas plus que pas aidé. Je pense que même, on lui met des bâtons dans les roues. En revanche, il y a plein de choses que j'aime pas chez lui. Aujourd'hui, la tactique qu'il a mis, mon Dieu, je vais garder que les trois points. Catastrophique. Les choix, on peut y parler, mais si je dois noter le match, notez-moi le match dans le chat, s'il vous plaît. Notez-moi le match. Si je dois noter le match, je vais mettre 2 parce qu'on a gagné. Absolument minable. La tactique était dégueulasse. On a un cul bordé de nouilles. C'est que je ne sais pas par quel miracle il fout tout à côté. Il fout tout, la reprise de volée de Djikou, la tête de Guibert, là, de Guibert, je ne sais pas quoi, là, le milieu. Ils auraient pu nous fracasser 10 fois, on n'a pas vu le jour, on a été à chier. Moi, j'essaye d'être le plus honnête possible. Franchement, je pense que Blanc, il est bien meilleur que Bosch, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Ken. Je pense que Blanc, il est l'homme de la situation au vu de ce qu'on a comme équipe de Brel, comme pas possible, et au vu du milieu de niveau Ligue 2. En revanche, la tactique d'aujourd'hui, heureusement qu'il prend les 3 points. C'était catastrophique. C'était désastreux même, j'ai envie de dire. On a vu un non-match de Lyon, une tactique dégueulasse. On s'est fait bouffer dans tous les domaines. À droite, à gauche, au milieu, c'était boulevard. On s'est fait dominer de la tête et des épaules par Strasbourg, qui n'a pas forcément extrêmement bien joué. Hein. Non, ce qui est pire, c'est que Strasbourg n'a pas bien joué en plus. Moi, je nous ai trouvé lamentable, vraiment, dans le jeu. Je retiens quoi? Les 3 points. Donc la tactique, aujourd'hui, c'est 0. Si je dois noter le match, c'est 2. Et si je dois noter la tactique de Blanc, c'est 2. Donc le match, j'y mets 2. Et la tactique, j'y mets 2. C'est nul. Clairement. On a juste pris 3 points pour moi. Ce match, il n'y a rien à en faire. Rien à en tirer. Même défensivement, je vous ai trouvé fébrile. D'habitude, je me trouve bon. Il n'y avait rien. Pierrot, on t'écoute. Non, la transition, un peu. Elle est belle, elle est très belle. La question que je me pose ce soir... Est-ce que si ce soir on est en 4-3-3 par exemple, est-ce qu'on aurait mieux joué? Pour moi non. Pour moi non en fait. Pour moi non parce que. Bah, ça dépend si le travail, Pierrot. Les joueurs ils perdent leur repère, ils changent toujours en système. Non, je suis d'accord, mais on en parlait un peu auparavant. Si des joueurs à 300 000 euros par mois sont pas capables d'assimiler deux tactiques de jeu, un 4-3-3 classique et un 3-5-2. Bon, au bout d'un moment, les mecs, faut se remettre en question, quoi. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai vu des matchs tout aussi moribonds en jouant en 4-3-3, en jouant en 4-2-3-1, en jouant en 4-4-2. Et on en revient toujours au même plan, en fait. C'est notre milieu de terrain. Avec ce milieu de terrain, tu ne peux rien faire. Je vais prendre l'exemple de Diarra, ce soir, que j'ai trouvé fantastique au milieu de terrain. C'est un joueur qui doit prendre 5. C'est un joueur qui doit prendre 40 000 balles par mois. Je compare avec Cacré, par exemple, parce que alors Cacré ce soir, c'est encore du grand Cacré ce soir, j'ai trouvé. Hein. Alors certains trouveront qu'il a mis un but, que ses quelques premières minutes sont très bonnes. C'est infect encore ce soir. Pour moi, c'est infect encore ce soir. Mais il n'y a pas l'abattage défensif. Il y a un nombre de ballons que j'ai fait du incroyable. Non, pas surtout... du tout. Attends. Regarde, parce que moi, je veux pas qu'on vienne dire quoi que ce soit. Alors, il y a ce qu'on voit. Moi, je l'ai trouvé moins mauvais en deuxième mi-temps. Mais bon, je voudrais vous montrer ça quand même. Est-ce que vous le voyez? Ah non, c'est pas le bon truc. J'ai pas mis la bonne image. Alors, excusez-moi. Je continue mon Pierre. Je vais vous mettre. Donc, je suis pas sûr qu'aujourd'hui. Alors, la tactique de départ, c'est pas qu'elle est pas bonne. Je sais pas ça. Par contre, je suis déçu. Je suis déçu qu'on arrive avec 8 joueurs défensifs contre Strasbourg, même un Strasbourg qui joue sa survie en Ligue 1. J'estime qu'on doit avoir un petit peu plus d'ambition quand même. Voilà, c'est pas la tactique, c'est l'ambition footballistique de Laurent Blanc ce soir qui m'a déçu.
Voilà, ça m'a déçu clairement. Après, est-ce qu'on aurait fait mieux en 4-3-3? Est-ce qu'on aurait fait mieux? Je pense qu'avec ce milieu de terrain-là, on ne peut pas faire mieux. De toute façon, on ne peut pas faire beaucoup mieux. On est à la merci de coups d'éclat de certains joueurs au milieu de terrain Exactement, Pierre. qui sont bons un match sur 3, 4, 5 et jamais en même temps. Et je dirais même, on est dans l'attente d'individualité offensive, surtout, un Barcola ou un Oui, Lacazette. Hein. exactement. Mais Faut que ça coure ça en bas et faut que ça. Faut que ça. Faut que ça. complètement, complètement. Mais c'est quelque chose qui était déjà là. C'est quelque chose qui existe à Lyon depuis plusieurs années. Le fait de devoir avoir des coups d'éclat. Paqueta, il y a 2 ans, c'était la même chose. Il n'y avait pas de jeu à Lyon. Et puis on attendait Depay. le coup d'éclat de Paqueta ou le coup d'éclat d'un Guimarães. Quand Bertrand Traoré arrivait à l'époque, on attend le coup d'éclat de Traoré, le coup d'éclat de Memphis Depay. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de jeu à Lyon. C'est pour ça que j'ai pas envie d'incomber la totale responsabilité à un mec comme Laurent Blanc. Parce qu'au fait, c'est ancré aujourd'hui, il faut l'accepter dans l'Olympique lyonnais, que c'est une équipe qui ne produit pas de jeu. C'est une équipe qui ne produit pas de jeu et qui est dépendant de certaines individualités. Sauf que tu les as Voilà. plus, Pierre. Sauf que tu les as moins. Tu les as Non, moins. Ouais. la Il y en a casette, la quelques-unes. casette. Il y en a Il a encore quelques-unes. failli, il a encore failli te caler un but là sur un Ouais, mais. contrôle Oh, ouais. retournement frappe. Non, non. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Il est seul, hein? Il se bat tout seul hein, d'ailleurs. T'en as qu'un, Julien. Voilà. Alors, après, Lovren il y qui a se les bat, Lovren qui se bat individualités. derrière, Non, mais Mitoma. Il y a là, les individualités offensives et défensives. voilà, non, je te parle d'individualité offensive, là, ceux qui, les joueurs, le fameux joueur, le fameux facteur X qui peut te faire gagner le match comme au PSG à la dernière seconde, qui peut te mettre une menace face à Villarreal en Europa League, je cite encore Memphis Depay, et tant d'autres, hein, Cornet face à City, c'est autre chose. T'en as Voilà, les gars. deux et demi. T'as la casette Barcola, Cherki, quand il a décidé d'eux, mais c'est très léger, je suis d'accord avec toi. Messieurs, Ken, essaye de faire vite, sinon on va pas pouvoir attaquer tous les sujets. Papa, après. La tactique de Blanc, non, mais moi, Tu l'as pas aimé, on est clair, tu vois. Comme tout le monde. j'ai déjà avancé mon agenda là-dessus. Déjà, l'approche du match est, pour moi, est pas bonne. Et encore une fois, ce que je lui reproche, et parce que sinon je vais me répéter sur Jules ou sur Pierre ou sur toi, c'est encore une fois, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun système de jeu qui est travaillé. Alors, Lacazette nous a parlé d'un 4-4-2, il aimerait se voir avec Dembélé. On l'a vu au début, puis après, il n'y a plus de 4-4-2. On est passé sur un 4-3-3, puis après un 3-4-3, puis un 3-5-2. En fait, on ne sait pas, ou un 4-2-3-1, on ne sait pas comment on veut jouer Blanc. Et je ne sais pas quel système de jeu il travaille, s'il travaille réellement un système de jeu. Et je suis désolé, tu as besoin d'avoir au moins un système de jeu identifié à ton équipe. Faut que ton équipe elle soit identifiée à un système de jeu. Et c'est comme ça que tu amènes après ton identité de jeu sur le terrain. Donc je suis désolé, c'est On là a où quand je vois même les faiblesses de Laurent Blanc. gagné, hein, je tiens à préciser. On est tous heureux, je veux un sourire de toute l'équipe, s'il vous plaît, tout de suite. Ah 1, ouais, mais non, 2, mais. 3. Bah non. Non. Mais si, on a gagné, on a 3 points, on est à 3 Les points de vie rebelles, et on non. est à égalité avec Rennes. Allez, souris, arrête. C'est quoi? Dis que tu as gagné au loto, il y avait 128 millions à gagner Ah aujourd'hui. bah là oui, je souris, ouais. Oui. Voilà, on a Et puis gagné. je rachète des parts à Lyon, tiens. On a gagné. Oh non, surtout pas, fais pas cette connerie. Je signale que c'est toujours Rolas pour 3 ans. Hein. Si tu veux pas que tes parts elles fassent diviser par 5, fais pas le con. Hein. Souris, souris, Ken. Bon allez, on Ah, ça passe y au est, j'ai sujet. souri, ça y est, c'est bon. Ah, on passe au sujet sur papa là. Fais vite là. T'as pas aimé la tactique. Et après tu gardes le sujet d'ailleurs. Vas-y. Pour moi, ce n'est pas un problème de tactique. Toutes les tactiques sont bonnes, toutes les tactiques sont mauvaises, tout dépend ce que tu mets dedans et tout dépend comment tu joues. Ce n'est pas la tactique qui est mauvaise. On a joué Paris, on a gagné avec la même tactique. Ce n'est pas une question de tactique. Tu mets des joueurs au départ et après, où ils s'adaptent ou ils ne s'adaptent pas, où ils jouent bien ou ils ne jouent pas bien. Ce que notre problème, c'est qu'on n'a pas d'équipe. Voilà, on ne joue pas en équipe. Donc lui, il positionne des joueurs et après, c'est catastrophique parce qu'on ne joue pas en équipe. Mais tu peux jouer en 4-4-2, en 4-2-3-1, en 5-3-2, en tout ce que tu veux. Ça n'a rien à voir. Mais non, Jules, mais Mais non. non, ça n'a rien à voir. Notre équipe n'est Non, mais pas on n'est pas complète. bon. Notre équipe n'est pas complète. Notre équipe n'est pas complémentaire. Donc, on a un gros souci déjà, c'est qu'on n'a pas de milieu de terrain. Je parle, l'ensemble du milieu de terrain n'est pas un vrai milieu de terrain. C'est trois bonhommes Tu qu'on place, ou nous quatre as vu bonhommes qu'on gagner place. dans quel tu nous as vu jouer bien dans quelle tactique? Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début. Mais OK? non, mais ce que je Donc, te dis, c'est écoute ce que ce je que te je te dis. dis. C'est ce que je te Écoute ce que je te dis. dis. La Tiens, je tactique ne suis change d'accord avec rien. lui, mais On aurait engueule. joué en 4-4-2 aujourd'hui, ça changeait rien. On aurait joué en 4-2-3-1, ça changeait rien. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'équipe. On ne joue pas en équipe. On n'est pas complémentaire. Il nous manque des joueurs à certains postes. On a trop de joueurs à d'autres postes. C'est n'importe quoi. Là, il met ça parce qu'on a trois, quatre bonhommes au même poste. À un moment donné, il faut bien qu'ils le mettent de temps en temps. Sinon, on va se retrouver qu'un boulet qu'on a payé 12 millions qui jouera jamais. Et à la place, il n'a pas mis Jeffinho, etc., etc. On n'a pas une équipe. On a des joueurs qu'on aligne. Hop, et on les place comme ça. Sauf que très souvent, avec Lavine notamment, on parle après les matchs,
et on n'est même pas d'accord sur le schéma qu'il a mis. Parce qu'on ne comprend même pas le schéma qu'il fait. On ne comprend même pas la tactique qu'il met en place. Donc, Là, c'est un gros problème. Là, il a mis 5 arrières, 3 arrières, 4 arrières, on ne comprend plus. C'est n'importe énormément, quoi. Énormément de gens sont d'accord avec Jules Papineau. Alors, je tiens à dire, bien je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est les résultats. Donc, pour le moment, il les a. Franchement, moi, je trouve que les joueurs ne sont pas bons. Mais en plus de ça, il a un manque de profil à certains postes. C'est absolument scandaleux. Tu veux qu'il fasse, il est obligé de positionner. Je ne défends pas la tactique qu'on a vue, hein, qui était pas belle. Hein, mais, Après, par contre, attends, je finis. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je ne suis pas certain que Blanc soit meilleur que Bosch. Je suis pas certain que Blanc soit meilleur que Bosch. Non, attends, je t'explique, laisse-moi finir, je t'explique. Je t'explique ce que je vais te dire. Ce qui est certain, c'est que Blanc, il s'adapte. C'est ce que ne faisait pas Bosch. Mais si tu mets Bosch avec les joueurs qu'il veut, il est bon. Blanc avec les joueurs qu'il veut, il est bon. Mais le problème, c'est que Blanc, il s'adapte à ce qu'il a. On lui reproche de changer de tactique, on lui reproche de changer de joueur. Mais justement parce qu'il s'adapte à l'adversaire et à son jeu. Bosch, le problème qu'il avait, c'est qu'il mettait tout le temps les 11 mêmes, il changeait pas sa tactique, il changeait pas son schéma, il y a rien à foutre, il s'adapte pas. Il lui manque des joueurs, ça fait rien. Je prends mon gardien, je le mets le droit. Rien à foutre. C'est ça la différence entre les deux. Mais je suis pas sûr que Bosch, il était mauvais. C'est juste qu'il s'adaptait pas. Il voulait pas s'adapter, il refusait de changer ses choses. Changer, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. Donc ça, c'est une grosse erreur pour un entraîneur. Mais par contre, Blanc, il faut reconnaître une chose, il s'adapte à ce qu'il a. La preuve, sur la phase retour, il a 2 points par match. Pour moi, c'est du miracle. Ça tient du miracle. Je ne sais pas comment il fait. Parce qu'il n'a pas d'équipe. Et en n'ayant pas d'équipe, il est premier du championnat sur la phase retour. Il y a de quoi se plaindre. Non, mais ça il n'a pas 6 points en 14 matchs. Non, mais Jules, ok, ça tient du miracle. Ok, on va pas non plus dire qu'il a rien. Non, mais ça tient du miracle au niveau des résultats. Le milieu de l'OL, c'est même pas niveau Ligue 1. On n'a rien. Non, mais d'accord. Ok, je veux bien, les gars, mais arrêtons non plus de surextasier le fait que c'est un miracle de points par match déjà. C'est un miracle. C'est un miracle qu'on ne fait jamais. L'équipe qu'on a, c'est un miracle. De deux. Moi, je vais dire ce qu'il peut mieux faire. Déjà, c'est arrêter de foutre caca en 10, d'accord? Parce que ça, je trouve que c'est criminel, quand même, de la part d'un entraîneur. T'as un milieu de terrain, ok, on est d'accord. Il a marqué, hein, pas bon. Aujourd'hui. Ouais, ok, très bien. Oui, il a marqué. Et on a gagné. Oui, je sais. On a battu Paris avec caca en 10. On a battu Rennes avec caca en 10. On a battu Toulouse avec caca en 10. On a même battu Strasbourg avec caca en 10. Alors, est-ce que c'est parce que. Tu sais qu'on a été champion du monde avec Batuidi et Ligue Gauche. À un moment donné, moi, je ne comprends pas du tout. Mais ça n'empêche que tu as gagné. Est-ce que c'est parce que si à Cacré, on joue à 10, on joue à 11 contre 11, parce que ça, c'est important de le dire, quand il n'y a pas Cacré et à Cherki, on joue à 10 contre 11. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Peut-être que c'est ça. Non mais là, on joue à 11 contre 11. T'as un Barcola et t'as un Jeffino qui peuvent vraiment bien jouer sur les côtés avec un Lacazette en pointe. Tu mets le meilleur milieu. Alors, je ne sais pas quel est le meilleur dans ce marasme. Il n'y en a pas. Julien, laisse-moi finir. Tu mets juste des profils qui courent parce que je pense que tu as besoin au moins d'amener des joueurs qui courent dans ce milieu de terrain. Donc, bon, tu fais comme tu peux. Mais je suis isolé. Là, tes forces, à mon avis, c'est de mettre 2 ailiers. Tu as 2 bons ailiers aujourd'hui. On le voit, Barcola peut jouer ailier. Tu as un Jeffino qui peut jouer ailier. Je pense que c'est le meilleur système qui est adapté à l'heure actuelle de cette équipe. On était comment la semaine dernière? On a joué comment? On a joué 2 ailiers, c'est pas fou. On a perdu. On parle beaucoup de Jeffino aujourd'hui. Jeffino, oui, mais d'accord, il peut pas commencer un match, Pierre. Là, tu me parles sur un match, Jules. Mais moi, je te dis, si tu travailles sur cette… Ça fait plusieurs matchs qui joue. Ça fait plusieurs matchs qui gagne. Avec 90, c'est ce que je veux te dire. Non, mais moi, ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, vois ce que tu as aussi, c'est savoir aussi les forces de ton équipe. Et à un moment donné, tu as des profils où là, tu es capable de jouer sur un 4-3-3 où tu mets un milieu qui court parce que parfois, il a voulu mettre un milieu à 2 où on s'est fait prendre le bouillon total, d'accord? Tu peux pas jouer à 2. Et Julien le dit très bien et on sait tous, dans le foot d'aujourd'hui, si tu joues à 2, c'est que tu as deux très bons milieux et tu as un 10 qui vient participer aux tâches défensives comme un Lucas Paqueta, d'accord? C'est pour ça qu'on arrive à jouer sur un 4-2-3 avec un Lucas Paqueta et avec un Guimarães un peu plus bas accompagné d'un autre milieu de terrain, d'accord? Donc, à un moment donné, tu as des ailiers, travaille avec ce schéma tactique. Pourquoi tu changes du tout au tout à chaque journée de championnat? Un coup, ça ne marche pas, donc forcément, tu es obligé de changer. Non, ça ne va peut-être pas marcher sur cette journée-là, mais à force de travail, à force, tu as trouvé une régularité, une complémentarité et peut-être, possiblement, une identité de jeu et une identité tactique. C'est ça que je reproche sur toi, Laurent Blanc. Le problème, oui, mais 28 points en 14 matchs.
28 points en 14 matchs, c'est une régularité, je suis désolé. Ouais, mais tu construis deux points par match. Tu construis un jeu. Je suis d'accord avec toi, Ked. Le problème, c'est que Laurent Blanc, aujourd'hui, ce que tu prends pas en compte, c'est qu'il a travaillé dans l'urgence. Essentiellement. L'urgence de remettre une équipe en place, l'urgence de reprendre des points. Aujourd'hui, Blanc, il n'est pas là pour prendre des risques. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un maximum de points pour garder éventuellement sa place l'année prochaine, se faire une bonne publicité pour peut-être aller ailleurs. Il s'est fait une bonne publicité malgré tout. Bien sûr. Et Jeffinho vient d'arriver. Jeffinho, il a fait deux matchs et demi. Aujourd'hui, c'est qu'il est meilleur que les autres. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, malheureusement, dans une équipe de foot et dans un vestiaire, il y a une hiérarchie à respecter. Donc maintenant, la hiérarchie, elle compte pour Laurent Blanc. Mais quand on est à l'époque de Peter Bosz ou d'autres entraîneurs, la hiérarchie, on en avait plein le cul de la hiérarchie. Ken, il y a tous les résultats qui parlent. Le reste, on s'en fout. Tu reproches à Blanc de changer, Julien, alors que Bosz, c'est justement le contraire qu'il faisait. Sur certains matchs, Laurent Blanc et cette équipe pouvaient brûler un cierge parce qu'on ne méritait pas beaucoup de gagner sur certains matchs. Mais c'est comme ça. Sur pas mal de matchs. Oui, mais tu peux pas te. T'as vu la gueule de l'équipe. Oui, mais tu peux pas prendre ça pour acquis. Ça a été trop de victoires à l'arrache et je trouve que c'est des victoires beaucoup trompeuses pour. Mais il y a eu des défaites à l'arrache aussi. Il y a des défaites qu'on ne mérite pas de perdre, Ken. On passe au sujet. Ce qu'il faut regarder, c'est où t'en es. Et là, on est à 3 points de Lille, c'est inespéré. Il y a 5 matchs ou 6 matchs, on était à 10 points. Les gars. Sur les 5 derniers matchs, on a 4 victoires. Paris, Rennes, Toulouse et Strasbourg. Tout le monde nous disait Strasbourg, vous allez perdre, c'est une bête noire et tout. Et Julien, je fais juste une conclusion. Excuse-moi, mon cher Julien. On a tous encensé, vous verrez, Blanc va recréer du physique dans cette équipe. Hein. Bosz a fait de la merde, a tout saccagé. Bah, t'as gagné le match, là. Tu peux pas dire qu'il a pas créé de physique. Oh. Mais tu te fais bouffer physiquement, arrête. Tu gagnes le match. Je rappelle pas les matchs Bosz, toi, c'était une mi-temps. Tu menais 2-0 à la mi-temps, tu perds les 3-2 à la fin. Non, mais attends, sérieux, il y a quand même 10 fois plus de physique qu'avant. Je dédouane pas Bosz, hein, les gars, hein, attention. Hein. Ouais. Mais là, tu peux pas dire qu'on a un problème physique. Je te trouve dur sur le problème physique. On n'a pas de problème physique. Les matchs, maintenant, on est plus à la fin. Sur ce match-là, on pêche peut-être un petit peu à la fin de match parce que Strasbourg pousse, mais je trouve qu'on est quand même beaucoup mieux physiquement. On avance parce que les sujets sont nuls en plus. Le match était nul, on est nul là. Voilà, non, mais vas-y, fais passer le sujet. Allez hop, regardez celui-là. Mais quel daube. On reste 30 secondes. Je crois que à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre une castagne dans la table. J'ai dit, calme-toi, tu vas encore tomber dans les pommes. Insupportable. Hop, faute. Ça a été ça tout le match. À peine on touchait. Le carton rouge déjà de Lukeba, il est scandaleux parce que la première faute, mais jamais tu dois mettre jaune. Je me suis dit, pendant tout le match, il va siffler un péno. Il ne l'a pas fait, mais je l'ai trouvé d'une nullité. Mais là, j'aurais voulu qu'une seule chose, c'est qu'il y ait les micros pour qu'il explique ses choix désastreux. Désastreux, les choix qu'il a fait. C'est pas du foot, c'est casser le football, ce qu'il a fait. C'est casser les actions et casser le football. Mais vous êtes mauvais, Rudy Buquet. Mauvais, voilà, je n'irai pas plus loin. La note que je vous mets, c'est 0. Heureusement, on n'a pas perdu le match. Mais j'avais envie d'en parler parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas défoncé un arbitre. Là, c'était 0 pointé, 0. On aurait pu le perdre à cause de lui. Le nombre de trucs inadmissibles qui ont été sifflés, ça a été un scandale. Un scandale. Pierre, encore une transition parfaite. Monsieur Buquet, spécialiste de l'arbitrage à la française. Hein. Dans la lignée de la prestation de Monsieur Turpin en Ligue des Champions il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, l'arbitrage à la française, classique, cassage de rythme, cassage de jeu, des cartons jaunes beaucoup trop distribués facilement, qui t'empêchent derrière de défendre de la même façon tout au long du match. Et puis puis à la limite sur les cartons, on sait qu'en France ça sort plus facilement. Ce qui me dérange beaucoup, et c'est avec la plupart des arbitres français, c'est le fait qu'ils cassent les rythmes des matchs, parce que c'est un match où il y a du rythme. Il y a pas beaucoup de technique, mais par contre il y avait un petit peu de rythme. Techniquement c'était faible, mais il y avait une sorte de rythme, il y avait un peu d'impact physique. Quel dommage de nous enlever au moins ça sur ce match où il y avait quand même pas grand chose à retenir. Quel dommage de nous enlever. Ce tout petit rythme qu'il y avait, qui était peut-être la chose un peu sympa de ce match. Voilà, Rudy Buquet, 0,
Comme souvent, monsieur Buquet. Beaucoup trop souvent. Jules Papigone, rapidement, parce que le sujet est nul, comme l'arbitre. Arbitre français, et le pire, c'est qu'on vient de nous refuser d'avoir les micros sur les arbitres. Donc, ça va continuer. Bah, il va falloir expliquer l'incompétence. C'est dur. Ça va continuer. C'est tout ? Bah oui, tu m'as dit rapide. Très bien. C'est une très bonne intervention, une de tes meilleures. Non, je rigole, j'ai beaucoup aimé ton intervention d'avant où j'étais totalement d'accord. Kenes, qui est toujours de bonne humeur avec un sourire indéflectible. Rapidement, Kenes, rapidement. Non, bah, vas-y, de toute façon, on est à 41 minutes, c'est un chrono, voilà. Moi, j'ai un petit message à envoyer aux arbitres, même si je pense qu'ils ne regardent pas du tout l'émission, mais bref, au moins c'est dit. Vous êtes des merdes. Non. Petit message. Notre Ligue 1 a été vendue à CVC. On a pas mal de coachs qui prônent des idées de jeu assez intéressantes, même si je trouve que on s'essouffle un peu plus en fin de championnat. Là, le niveau a un peu baissé, mais je trouve que le niveau global a augmenté depuis 2 ans, mine de rien. Bah, on ne va pas se le cacher, je trouve, quand même, au niveau des idées de jeu, de l'intensité sur le terrain, dans le profil des joueurs qui arrivent en Ligue 1. Et je trouve que malheureusement, le niveau de l'arbitrage n'augmente pas et ils sont en train de casser tout ça. Et tant qu'un arbitrage, un arbitre est le maître du terrain, il amène le tempo du match. Et je trouve que de mauvais arbitres, ça peut vraiment te faire te casser le niveau des matchs. Et je trouve qu'il faut vraiment que le président de la Ligue fasse le nécessaire pour trouver quelque chose. Quoi. Parce qu'à un moment donné, l'arbitre est très important, on le voit en Première Ligue, soit dans la manière de l'approche au niveau des joueurs, son autorité, son envie de laisser le jeu se défiler. Je trouve que c'est très important que nos arbitres français s'imprennent de ce qui se passe un peu à l'étranger. Donc voilà, laisser un peu les joueurs s'exprimer sur le terrain et voilà, faites briller notre Ligue 1 parce que c'est vous qui envoyez le tempo aussi à la télé. Donc tout simplement. J'en finirai. Très bien, mon Ken. Allez, on enchaîne parce que voilà, c'est vrai que là. Souriez, messieurs, un peu de bonne humeur quand même. Il y en a un qui a mis très bon commentaire. Très déprimant ce stream. Allez, on se lèche, on s'épile et on se prend une douche. Et oui, pourquoi pas, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu vois une purge comme ça, tu sais que nous, Lyon, moi, ça fait 2 ans que j'ai la chaîne. Je t'avoue que c'est pas facile quand même. Je t'avoue que les débris sont compliqués. On, perdu, hein. On a gagné et je prends la parole sur le prochain sujet. Est-ce que dans le chat et dans les commentaires, écrivez-moi tout ça, est-ce que vous croyez à la 5e place? Sérieux, oui. Bah oui, quand tu es à 3 points de la 5e place, oui, tu peux mettre, oui. Mais j'entends ça depuis pas mal de week-ends, tous les week-ends, on entend ça, Julien. Non, mais Ken. Là, Ken, c'est comme si tu avais le téléphone de ta femme en main, il y a marqué « c'est quand qu'on va, hein, d'accord ?» par un autre mec et que tu dis « non, mais arrête, non, on est à 3 points là, d'accord ?» Ouais, et puis si on n'en parle pas là, on n'en parle jamais, tu vois. Et puis on perd, on va vous entendre dire oui, « ouais, bon, allez, oui. c'est mort, la saison on est morte. » On doit en parler, c'est comme ça. Si on n'en parle pas là, on n'en parle jamais, on est à 3 points, Ken. Donc, c'est comme ça. Non, alors, j'ai pas dit, les gars, vous avez le droit de mettre non. Hein. Ken, t'as le droit de dire non, vu que t'es de très bonne humeur en plus. Non, non. Oui, non, non, oui, alors oui, Sergio, mon Sergio. Non, mais lui, il a double tout, lui. Hein. Lui, voilà. C'est le monde des oui. Attends, écoute, non, mais attends, lui, il doit avoir au moins 50-60 ans, mon Serge, il est fan de Jules Papigone. Ouais. À tous les coups, il est comme Jules Papigone, il a plus un cheveu sur le caillou. Messieurs, eh ben moi, j'ai envie d'y croire, j'y crois encore. Bon, j'allais faire la vanne, vous connaissez, j'allais partir en chanson, mais je ne le ferai pas. En respect à Lara Fabian, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire, écoute, t'es un petit peu sadomas aussi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai envie d'y croire, je me dis que Lille, ils vont faire un faux pas et que quand on va les jouer, on n'aura que 3 points de retard et qu'on va les battre. Parce que Lyon, c'est ça. Ça te fait t'arracher les cheveux. Donc, j'ai envie d'y croire. Et mon cœur de supporter me dit qu'on est capable. Alors, évidemment, je ne vais pas laisser la parole à Jules Papigone juste après, parce que sinon, là, je vous dis tout de suite, lui, il estime déjà qu'on est déjà au 4e place quasiment. Non, je rigole, mais blague à part. On va essayer d'aller dans la transition opposée, c'est-à-dire un produit en croix, pour ceux qui connaissent, tableau Excel. On va aller directement là-bas, lui, qui n'y croit pas du tout. Voilà, ici, là, la Ken. Est-ce que tu y crois? Mais moi, j'ai 18 ans, mon Serge. Mais moi, c'est... Désolé, Serge.
À 5 Serge, c'est pas commun pour 18 ans. Hein. Comme quoi, j'ai des fans qui sont jeunes. Jean-Michel, j'ai 17 ans. Oh merde, pardon Jean-Michel. Bon, et voilà. Allez, mon Ken, est-ce que tu crois ou pas? J'y crois encore. Non, mais moi, j'y crois pas pour la simple et bonne raison. Après, oui, moi, c'est tout simplement. Après, là, c'est pas objectif, hein, mais je trouve qu'on ne mérite pas cette cinquième place, tout simplement. Oui, voilà, ça, c'est la première raison. Moi, j'estime que je suis pour le mérite. Moi, je suis pour le mérite et pour les équipes qui proposent des choses sur le terrain. Nous, on propose de rien. De un. De deux, aussi, on propose de la merde. Voilà, pour faire court. Donc, de deux. Pour ce gros mot, mais bon, c'est sorti tout seul. Non, mais de deux, pour blague à part, pour revenir sur le sujet, Lyon est incapable de saisir sa chance, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. Tu vas me dire, admettons même, Lille perd, Rennes perd. Admettons, le prochain match, tu vas perdre. Ça c'est un sketch, ça. Pourquoi c'est un sketch, ça. Admettons. Mais allez, admettons. Mais le admettons, etc., tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est ce qui se passe depuis des années à l'OL. Alors, ça a peut-être changé, hein. Mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et je vois pas pourquoi ça. Pour moi, ça y est, c'est plié. Hein. La saison, elle est terminée depuis très longtemps. Je suis, je pense, l'un des seuls à plus y croire depuis très longtemps avec quelques-uns. C'est quoi le terme? Les effarouchés gaulois ou les indomptables gaulois, bref. Les irréductibles gaulois. Je ne crois plus à ça. Et je trouve surtout qu'on ne le mérite pas. Point barre. Très bien, Ken. Très bien, Ken. On te remercie pour ta joie et ta bonne humeur. Oui, de rien. Jules Papigone. Mon honnêteté, au moins. Mon honnêteté. Oui. Jules Papigone, on t'écoute. On va passer du côté pas, du pays. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Ah non, je n'y crois pas du tout. Viens dans le clan. Ah oui, alors là. Alors moi, c'est simple. C'est pas compliqué. Actuellement, on fait ce que j'appelle, moi, un miracle, c'est-à-dire prendre 2 points par match. Lille a 6 points d'avance. Pas 3, parce que là, on a un match de plus. 6 points d'avance en 6 matchs. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on leur prenne 1 point par match, donc que eux ne prennent qu'un point par match de moyenne. Mais non, ils sont à 6, à 7. C'est foutu. C'est mathématique. À un moment donné, c'est mathématique. Tu ne peux pas. Parce que comme dit Ken, oui, ils vont perdre. Mais le match d'après, ils vont gagner, c'est nous qui allons perdre. Ou on va perdre match nul. On va se retrouver à 5 points. Mais bien sûr, c'est impossible. Là, on vient de faire 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Malgré tout, ils sont toujours devant. Ils ont toujours 6 points d'avance. Donc, je n'y crois pas. Après, j'aimerais, je prie le Seigneur pour que ça arrive. Mais je n'y crois pas. Parce que je me dis, 6 points en 6 matchs, il faudrait... fais le calcul. Si nous, on continue sur cette lancée qui est pour moi miraculeuse, on prend 10 points. Donc, on est à 53, ça fera 63. Lille, ils sont déjà à combien? 56? Demain, 59. 63, c'est-à-dire 4 points. Tu crois qu'ils ne sont pas capables de prendre 4 points dans les 5 derniers matchs? C'est pas possible. Donc, je te le dis, c'est pas possible. C'est irrécupérable. Pour moi, on peut y croire, hein. Mais moi, je l'ai dit dans le short, je mets des jeunes et je laisse tomber la saison parce que de toute façon, c'est pas possible. On va être déçus, les gars. Vous allez tous être déçus. J'ai jamais vu le sixième rattraper le cinquième avec 6 points de retard. Et en plus, nous, c'est pas le sixième qui remplace le cinquième, c'est le septième qui doit rattraper le sixième et le cinquième. Ça fait trop. Donc, j'y crois. Très bien. On te remercie, Jules Papigone. On pensait mettre un petit peu de gaieté. Mais j'aimerais, Et ça arrivera pas. Oh. Allez. Pierre, est-ce que tu y crois ou tu n'y crois plus? J'y ai jamais vraiment cru, honnêtement. Je rejoins un petit peu Ken au niveau de la méritocratie. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, on ne le mérite pas. Non, mais on ne le mérite pas. En plus, à rajouter ça, on ne mérite pas, ça sera hold-up. Non, ça aurait été... Comme pour la Coupe de France. Oui, exactement. La Coupe de France, on se doit d'ailleurs, et je rejoins sur ce que disait encore Ken, et je suis tout à fait d'accord, quand on doit saisir une opportunité, on ne la saisit pas, et ça fait longtemps qu'à Lyon, ça existe aussi, ça. Donc au niveau de la méritocratie, on le mérite pas. Après, j'y ai cru un petit peu. J'y ai cru un petit peu. Je m'étais dit que si on battait l'OM le week-end dernier, là, il y avait éventuellement quelque chose. T'as été dans le camp des naïfs, Pierre. Ah, je suis déçu. Bah, des naïfs, non. T'aurais battu l'OM, t'aurais perdu ce soir.
Non, mais on reste supporter avant tout. Donc moi, quand on commence un match, j'espère toujours qu'on va le gagner. Malheureusement, je pense que c'est un petit peu trop tard aujourd'hui. C'est déjà un exploit de ne pas finir 12, 10, 12e, 13e. Très honnêtement, à la mi-saison, je pensais presque qu'on jouerait le maintien. Donc j'en étais même là. Donc aujourd'hui, non, je pense que voilà, on va essayer de finir la saison le mieux possible, parce que même si on finit pas cinquième, je pense que bien finir la saison, c'est aussi bien préparer la prochaine, et ça c'est important. Je pense que ce qui est très bien aussi, le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe 2 années consécutives, c'est très bien. Aujourd'hui, si on arrivait à choper cette... Ou Thiago va pas être content. Des Non, chefs à mais Thiago. le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on arrive à être européen, il y a probablement un grand ménage qui est censé être fait, qui ne sera peut-être pas fait. Et Et aujourd'hui, puis je sais on va que, entendre là se dire, ouais, vous voyez, notamment, on va faire un remue-ménage, notamment, notamment. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une bonne chose de ne pas être européen pour repartir l'année prochaine sur des bonnes bases. Monsieur Textor, ça lui permettra peut-être aussi d'ouvrir un petit peu plus les yeux, même s'il est en train de le faire tout doucement. Non, c'est pas lui qui doit ouvrir les yeux, c'est en dessous, hein, c'est Olas. C'est pas lui, les yeux, ils sont grands ouverts, hein. C'est Olas qui veut pas les ouvrir, hein. Bah, faut qu'il On verra, non Attention, mais c'est ça Olas on qui rentre sait, du ça on tout, le hein, sait, clairement. C'est ça, lui qui va ça on le changer, hein. sait, On change pas ça on le Giroud, on sait, change pas Ponso, on change personne. On reste comme on est, on est les meilleurs. C'est mais Olas, hein, ça c'est on le pas sait, Textor. sauf qu'aujourd'hui ça donnait du poids à Monsieur Aulas, si effectivement on réussissait à accrocher une place Mais européenne, et ça, si on ne l'a les pas. gens comprennent pas, hein. Ça, les gens, ils veulent pas le Non, comprendre, ça. je sais bien, mais c'est pour ça qu'on est là pour essayer de donner un point de vue et de l'expliquer. Faut bien entendre, faut que la communauté entende qu'aujourd'hui, si on est européen, c'est très compliqué derrière pour Monsieur Textor d'arriver et de donner un coup sec. C'est très compliqué. Là, aujourd'hui, au moins, il n'y aura pas d'excuses, et Monsieur Aulas, il devra fermer son petit clapet. Et Julien, je veux juste donner un peu plus d'eau au moulin de Pierre. Arrêtez de croire, parce que, encore une fois, ça c'est un petit message pour un très cher ami de notre groupe, hein, il se reconnaîtra. C'est pas parce que tu auras une Coupe d'Europe que tu vas bien bosser la saison prochaine. Lyon s'est qualifié Non. ces dernières années en Coupe d'Europe et a fait cata sur cata sur la construction sportive, sur le choix des joueurs, le choix des équipes. On a Faut mettre des dépensé de gens l'argent intelligents. à tout va. À un moment donné, les hiérarchies peuvent se bouger sans que tu sois européen pendant des années. Il suffit juste de bien bosser, déjà d'être. De gagner en humilité, parce que ce club doit redevenir humble. Les supporters également, parce que nous, supporters, nous voyons trop beau par moments. Donc, déjà un peu plus d'humilité à notre égard et aux yeux du club. Et à un moment donné, Lens, certes, c'est Lens, on se dit c'est peut-être Lyon qui est mauvais, c'est Lens qui surperforme, et Lyon et les grosses équipes sont mauvaises. Ok, mais en attendant, hey, ils l'ont pas volé, hein. Ils ont travaillé. Ça fait 2-3 ans que Lens travaille correctement et des équipes comme ça travaillent correctement. Ils ont le droit de te dépasser si tu es mauvais. Donc un peu d'humilité, une restructuration et de la compétence. Pas du pognon, de la compétence. On sait très bien que les gens ne sont pas gratuits, mais de la compétence avant tout. Non, C'est bon, je Ken? pense C'est pas les billets, qu'aujourd'hui. c'est pas les billets qui courent, hein, sur le terrain. C'est pas les billets. C'est pas parce que tu mets plein de billets que ton volant va être bon. Ça n'a rien à voir. Juste pour finir, si j'ai le temps, Julien, Michel, oui, je vas-y, pense que parce que. pour une bonne reconstruction, parfois, le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe, et je suis d'accord avec elle, c'est peut-être mieux. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité, on n'a pas l'équipe pour jouer sur deux compétitions. On n'a pas la capacité, Mais on n'a ça déjà va pas réussi à changer. allier. Ça va changer, mais il va falloir du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être une épine dans le pied, le fait d'avoir une Coupe d'Europe, que le fait de ne jouer que la Ligue 1. Je pense en tout cas. Et surtout, Messieurs, Julien, oh, surtout, Julien. putain, vous me faites chier avec vos sujets à deux Non, mais balles là. Vous me c'est pas un cassez les sujet. couilles. Non, c'est On pas un va sujet à passer deux au balles top parce et que au non. flop, Non, c'est bordel. important, c'est Oh, important. qu'est-ce que j'ai eu comme idée Non, mais là? Julien, c'est un Oh sujet très clivant, parce qu'il y a des là là. gens On a qui envie pensent que d'aller se parce que tu pendre veux. là. Qu'est-ce Non, qu'il dit le Julien. public là? Il y Qu'est-ce a qu'il des dit gens. le Non, chat? mais non, non, il y a des gens qui pensent que parce que tu n'es pas européen, oui, tu ne pourras peut-être pas faire venir un Paqueta, un Guimarães. Ok, et encore, non. C'est même pas sûr. Si C'est tu as même pas des sûr. gens qui parlent le foot, qui peuvent attirer ce genre de joueurs parce qu'ils vont montrer un projet, Tous, voilà qu'on va hey, construire une équipe, quel joueur on 10 fait minutes de venir, comment conversation on pour. va jouer, je sais, comment on va 10... jouer, excusez-moi, j'ai dit joueur et autre jouer, comment on va jouer, pardon, et ben, Non, mais vous faites 10 minutes de conversation pour dire juste, je vais vous la faire en 10 secondes. non, Regardez, mais ça va durer 10 c'est un secondes. Il clivage, c'est un suffit juste de clivage. mettre des gens compétents au bon poste. Mais non, Point. mais on Voilà. va tout C'était rétorquer. juste ça. Tu ne Il n'y a pourras pas pas besoin d'avoir amener une un Coupe Non, d'Europe, non, tu non, mets juste non, des non, mais il a joueurs. raison, Ken. Il y en a qui te disent, même comme ça ne marchera pas parce que tu ne joues pas la Coupe d'Europe. Alors que Lens ne jouait pas la Coupe d'Europe, ils ont fait une super saison. Alors que Paqueta et Guimaraes ne sont pas allés dans des clubs qui jouaient la Coupe d'Europe.
Juste ça, c'est pour dire, c'est pas parce que tu joues pas une Coupe d'Europe que tu peux attirer personne. C'est tout. Il suffit juste de mettre des gens. Il suffit juste de mettre des gens compétents au beau poste qui savent convaincre, qui savent travailler. Comme... Oui, voilà. Mais je sais, je sais. Messieurs, j'aimerais soutenir des petits gars là qui m'ont contacté. Très sympathique, regardez. Je vous la conseille. Elle est gratuite. C'est une application. Alors, je ne sais pas si on voit bien. On voit rien. Cette application, Supporter, elle est vraiment, c'est une appli. Je me suis reconnu en elle. Hein. C'est gratuit, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien là. Hein. C'est gratuit. C'est une application pour les supporters. Elle est sur Android et Apple Store. Elle est gratuite. Et en fait, ce que j'ai trouvé bien dedans, je vous le dis, c'est que vous pouvez noter les joueurs. Vous pouvez répondre au questionnaire. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Est-ce que vous pensez qu'on va finir cinquième? Un peu ce qu'on est en train de faire. Je vous mets le lien là dans le chat. Franchement, les gars ont été super sympas, on s'est appelés et je voulais les soutenir un peu parce que c'est une petite application mais qui commence quand même à devenir grosse. Et franchement, elle est gratuite, je pense qu'elle peut vraiment plaire à tout le monde. Moi, je l'ai et elle est plaisante, donc je vous la conseille. En plus, vous pouvez discuter sur un forum entre Lyonnais. Donc voilà, moi je l'ai, je vous la conseille. Allez la télécharger, je vous le mettrai aussi dans le... Voilà, c'est une petite pub pour eux et pour les soutenir. Il faut mettre Lyon, il faut cliquer sur Lyon, pas sur Olympique Lyonnais. Ouais, il faut cliquer sur Lyon, pas sur Olympique Lyonnais. Il y a le logo de Lyon, il y a marqué Lyon, il y en a un deuxième où ouais, il y a marqué Olympique Lyonnais. Ils m'ont dit qu'ils avaient réglé ça, j'ai dit sinon ma copie va se tromper. Ouais, apparemment. Donc les gars, n'hésitez pas à aller, c'est vraiment une appli pour les supporters, hein. Je vous la conseille. C'est une belle position pour les top et flop. Oui, parce que oui, du coup, tu peux mettre. T'as le, moi, je l'ai vu, tu as le classement de ce que vous avez voté avec les notes, donc je vais le regarder. Qui vous avez élu le meilleur, le moins bon, voilà. Donc, c'était pas mal. Messieurs, on passe au top et au flop. C'est parti. Et là, je vais encore faire ma vanne pourrie. Allez, c'est parti. Est-ce que vous savez ce que je vais faire qui est absolument à chier? Et c'est parti, on va passe à la question Coco. Ça me saoule, arrête de le faire, bordel. C'est de la merde, c'est pourri. J'en peux plus, je me saoule moi-même. Bon, allez, on va commencer par les flops parce que c'est tellement facile. Mais il y avait vraiment des trucs que j'avais envie de mettre en avant. Thiago Mendes. Je l'ai trouvé, mais on n'en parle même pas tellement il a été nul. Ah, j'ai détesté Thiago Mendes. Je ne vais pas vous mentir, il y a du monde que je n'ai pas aimé. Hein. Ouf. Mais la tactique, je crois que c'est le pire. La tactique de jeu aujourd'hui, scandaleux. Donc dans mes flops, la tactique de jeu Mendes et Rudy Buquet, que j'ai trouvé d'une nullité mais absolue. J'avais même pas envie d'en rajouter. Il y en a plein que j'ai pas aimé, hein, je vous le dis. Mais il y en a genre plein. Koumendi, je l'ai pas trouvé bon. J'ai pas aimé Cacré. À part le but de Barcola, j'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude. Enfin, j'ai pas aimé beaucoup de monde. Et dans les tops, pour faire vite, c'est compliqué. Alexandre Lacazette, Anthony Lopez. C'est dur. Lovren. Ouh, c'est dur. Hein. Ouh. C'est très très dur. Bonne chance. Bonne chance. À vous, messieurs. Oh putain, Awar, ouais. Je l'ai oublié. Bis Awar. On t'embrasse. Lui, c'est plus qu'un flop. Lui, j'ai mal aux yeux. On t'écoute, Pierre. Non, bah du coup, je le citerai même pas. Je vais même pas le citer. Je vais même pas citer Awar. Dans les flops, je vais remettre Loukeba, que j'ai mis il y a deux semaines. Loukeba qui a pas fait un bon match aujourd'hui. Encore un petit peu moins bien. Cacré, bien entendu, malgré son but. J'estime que son but n'efface en rien la prestation catastrophique qui a été encore celle de ce soir. Et bien sûr, Thiago Mendes aussi, transparent. Je me suis rendu compte qu'il laissait sur le terrain au bout de la 25e minute. Et encore, parce que je me suis rapproché de l'écran. Et dans les tops, Henrique. Moi, j'ai envie de mettre Henrique dans les tops. Qui a encore une fois fait le boulot. Sur le côté gauche, il ne s'est pas fait dépasser tant que ça. Aujourd'hui, c'est quand même une belle passe décisive, très intelligente.
ça passe. Je pense que Tagliafico, qui est plutôt bon, hein, et qui fait notamment des très bons centres, l'aurait mise dans le paquet. Là, j'ai trouvé cette passe d'Enrique très, très intelligente, qui amène un but quand même. Et voilà, comme souvent quand il joue, Enrique a fait le boulot. Lopez, parce qu'il nous a fait du bien, notamment dans les sorties aériennes aujourd'hui. Je l'ai trouvé très bon dans sa lecture du jeu. Et il nous a fait du bien. Il nous a libérés sur la fin de match. Il nous a fait gagner un peu de temps. Il nous a soulagés. Ça fait combien de fois qu'il est dans les tops, Lopez? Bon, mais l'an prochain, il va y avoir du petit changement. L'an prochain, on pourra analyser ça tranquille. Et le troisième, Lovren, parce que Lovren, bah, il fait encore son match ce soir. Hein. Lovren fait encore son match. Il tient une défense qui était un peu aux abois, notamment avec Loukeba qui a été catastrophique et Diomandé que je ne citerai plus dans mes flops parce que c'est à chaque match de toute façon, donc il faut bien que je change. Failli te coûter un but à un moment donné hein, lorsqu'il a contré la balle, c'est parti sur un Strasbourgeois avec le lob de Bellegarde. Exactement. Donc j'aurais pu mettre à la place de Mendes, j'aurais pu mettre Diomandé. Je préférais mettre Mendes ce soir, mais Diomandé aurait très bien pu y être. Diomandé catastrophique une nouvelle fois. Donc voilà, pour les tops et les flops. Et Lovren, encore merci Lovren, parce que ce soir, c'est encore lui qui tient la baraque derrière. Alors là, je suis obligé d'intervenir tout de suite. J'interviens, sinon je fais un arrêt cardiaque. Non, c'est de loin plus mauvais aujourd'hui. C'est 45 ballons. C'est un prank. C'est pas possible. Là, il y a du caca dans les yeux, là. 45 ballons, 10 de perdu. Naturellement, la plus mauvaise note du match, mais il a été absolu. Il veut devoir t'énerver, Julien. Mais il est toujours au match de la semaine dernière. Je pense qu'il a un décalage. Tu sais, c'est quand t'as pas le bon réseau. Si t'es dans le sud, la semaine dernière, c'était vrai. Mais bon, Mendes, il est comme ça. Il faut arrêter. Non, c'est surtout des counons, lui. C'est très, très des counons. Après, Julien, il a le droit d'avoir cet avis-là. Chacun son avis. Oui, je respecte. Voilà. C'est quoi ça? Il a pas dit qu'il était bon, il a dit que c'est le meilleur des trois. Voilà. Et il faut reconnaître que, bon, c'était pas très bon. C'est à moi de parler? Alors, flop. Attends, il y en a pas mal pourtant. Hein. Bon, justement, il faut faire un tri. On va dire Diomandé. Oh là, c'est vrai que. Diomandé. Je vais te dire, il n'y a pas d'erreur hein, sur les flops. Il n'y a personne qui se trompe. Hein. Je vais te dire, Malheureusement, je vais dire Mendes. Je suis désolé. Parce que même si, bon, les trois milieux, on pourrait presque mettre le milieu. Mais bon, on va dire Mendes. Tonton Seb, il va nous tuer parce qu'on cite pas Tolisso, mais. Mendes. Je ne suis pas encore passé. Le troisième flop, c'est le fait d'avoir dans son groupe et encore plus de faire rentrer. À 6 journées de la fin, un joueur qui n'est plus à Lyon. Le fait d'avoir pris un mec dans un groupe, au lieu de prendre un jeune, on prend un mec comme ça qui prend la place de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est stupide. C'est même pas contre lui. Hein. Ça serait l'avancante, ça serait pareil. Bon, ça, c'est pour moi, c'est pas bon. Ensuite, en top, Lopez. Là, je suis d'accord avec Ken. Ça fait un petit moment qu'il est dans les tops. À un moment donné, je pense que Lopez, il fait partie de toutes les années où on ne gagne pas, machin. Non, mais Lopez, il nous sauve plus souvent qu'il nous coûte des points. Faut juste être honnête. À un moment donné. Lopez, il nous sauve plus souvent qu'il nous plante des buts. Voilà. Apparemment, il y en a des tas qui sont devant lui en Ligue 1, apparemment. Non, mais bon, voilà. Il faut reconnaître qu'on met les deux. Il fait une bonne saison. Il a eu fait des saisons moins bonnes, mais là, cette année, il est bon. Une seule, bon. Sous Garcia. Garcia. Avec Christophe Rommel dans les buts. Voilà, c'est une catastrophe. Hein. Merci. Alors, Lopez. En deuxième top, Lovren, qui, vu Duqueva et Diomandé, heureusement qu'il est là, parce que sinon. Donc, il est sorti du lot. Et alors, le troisième, je vais m'expliquer parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Cherki sur le banc. Je pense que c'est un top parce que ça va lui mettre du plomb dans la tête. Non, ça va lui mettre du plomb dans la tête et ça va le faire réfléchir. Et je pense que c'est bon pour le futur. Le fait de pas le mettre tout le temps, même quand il est pas bon, le fait de l'enlever, de lui dire, écoute, mon gars, t'es pas irremplaçable, t'es pas le centre du monde, à un moment donné, remettons en cause. Je pense que c'est un top pour le futur. Donc, ce choix-là. Quel futur? Je pense que, non, mais le futur, je m'en fous, moi. Pour les prochains matchs. Je pense que,
de le laisser tout le temps, malgré certaines mauvaises prestations, c'est pas bon pour lui. Il faut lui remettre un petit peu les idées en place. Et le fait de lui dire, tu rentres pas du tout du match, tu viens, tu vois, et tu t'assois, tu t'entraînes, tu t'échauffes, et tu rentreras pas. Et si tu changes pas d'attitude, bah, ça va durer. Et bah, je pense que ça va lui mettre du plomb dans la tête. Et franchement, je pense qu'il va revenir meilleur. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un top. S'il pouvait revenir meilleur sur la liste des transferts, papa. Enfin, mais non, ça serait, ça serait génial. Bon. Quand il était bon, il était bon. Oui, ça a duré 5 matchs, ça va, c'est bon. Et encore, c'est même pas des matchs complets. Ken, on t'écoute. Mes flops, je vais mettre l'ensemble du milieu de terrain et je vais parler de Tolisso parce qu'il y a que lui qu'on n'en a pas parlé. Et en fait, certes, ça a été le moins mauvais, Julien, mais on parle de statut parce qu'on parle beaucoup du statut de Cacré. Ah oui, Tolisso, moi c'est parce que j'avais des attentes sur ce joueur et je suis désolé, à part rester en pointe basse, distribuer de bons ballons parce qu'il a les qualités, attention, largement au-dessus de la moyenne pour te mettre une belle passe. Il est toujours extraordinaire dans les stats, je vous le dis. Les statistiques de Tolisso à chacun de ses matchs sur les passes longues sont absolument stratosphériques. Ouais, on n'en parle jamais, je vous le dis, parce que je le vois. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a beau critiquer Cacré et Menez, et je suis d'accord, mais je les vois courir. Tolisso, je ne le vois pas beaucoup courir. Il prend souvent le bouillon également. Tu vois. Donc, à part, c'est sûr, il va t'amener une qualité de passe parce qu'il est largement au-dessus de la moyenne technique. Mais tactiquement, et surtout… Allez, pas tactiquement, physiquement. Je pense que vraiment, ce joueur ne pourra jamais revenir à vraiment un top niveau. Je me trompe peut-être, on verra la saison prochaine. Mais en attendant, il a un très gros contrat. On attend beaucoup plus d'un champion du monde, même s'il n'a pas été, on sait, vraiment prépondérant à la victoire de l'équipe de France. Mais d'un joueur, un ancien joueur du Bayern qui a fait ses matchs au Bayern en début. Moi, je suis désolé, je trouve que pour l'instant, Tolisso, c'est un flop à l'OL. Donc, je mettrai le milieu de terrain. Parce que tu ne juges pas le match, tu juges ce que tu as envie qu'il soit. Je parle de Tolisso parce qu'on a parlé des autres milieux de terrain. Je me permets juste de parler de Tolisso pour que ceux qui sont d'accord sur cette thèse-là, ils aient leur avis également. C'est tout, Julien. Voilà, parce qu'on n'a pas mentionné Tolisso. Voilà, donc je parle du milieu de terrain dans sa globalité. Attention, peut-être que tu mets Tolisso dans de meilleures configurations, il sera peut-être meilleur. Mais bon. J'attends quand même qu'il sorte beaucoup plus du lot au vu de ce qu'on attend de ce joueur, c'est tout, et du statut, c'est surtout du statut. Et la défense, je suis d'accord dans un sens où elle a pris le bouillon, mais à force de changer système tactique et aussi que tu as un milieu qui prend tout le temps le bouillon, bah, la défense, c'est le dernier rempart, et elle est acculée, voilà, tout simplement aussi. Donc blâmer la défense, je veux bien, mais bon, elle a été plutôt solide ces derniers temps, donc je ne vais pas non plus trop le taper dessus, même si je les mets en flop, parce qu'il y a eu pas mal d'errements défensifs dans la surface de réparation, et là, c'est du 1 contre 1, et ils ont été mauvais dans les duels. Et dernier flop, le choix tactique et les rentrants de Laurent Blanc. Concernant les tops Doucouré, Bellegarde et l'ambiance du stade. D'accord. On sent qu'on a gagné. Non, mais c'est des joueurs qui m'ont plutôt intéressé, notamment le petit jeune Doucouré. Je l'ai trouvé très, très, très intéressant. D'ailleurs, il fait penser un peu à Kamavinga dans sa manière de se bouger sur le terrain et aussi ses petites locks là, enfin ses petites reds là, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà. Diarra était très bon aussi. Ouais, Diarra aussi. Ouais. Les gars dans le chat, désolé, non, je déconne, c'est fini, c'était tout à l'heure ça. Mettez-moi les pouces et abonnez-vous, c'est important. On est encore plus de 300. Vous mettez les pouces et vous abonnez. Voilà, l'émission va se terminer parce que d'une, je suis fatigué. De deux, on a gagné, on n'était pas bon. Et je pars en vacances. Je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Voilà, je vais aller me dorer la pilule tranquillement à Center Park avec les gamins. Voilà, et c'est tout, c'est terminé. Voilà, je vais aller faire un stand-by de Lyon. Là. Ça me gonfle. Bon, on a gagné quand même. On va quand même suivre demain. C'est demain qui joue Lille, c'est quand? Bah demain, il y a la Coupe de France, la finale. Hein. Oui. C'est quand que ça joue Lille? C'est le seul match qui m'intéresse. Lille et Rennes, hein, parce que quand même deux concurrents. Vous savez quand ça joue? Ils jouent à Angers ou à Ajaccio. Là. On se retrouve à 6 points. Putain, mais arrêtez d'être défaitiste, bordel. Je vous demande quand est-ce qu'ils jouent, pas contre qui ils jouent. Je vais te dire ça. Putain. Alors, ça joue Brode. Aujourd'hui. Mais ça j'ai pas de. Laisse-moi parler. Ça joue aujourd'hui parce que nous sommes passés à samedi, mes amis. Merci de nous suivre encore. À 17h, Lille-Ajaccio. Et Rennes, c'est dimanche à 15h. Voilà, mes amis. Contre qui, Rennes? Contre Angers. Rennes, c'est contre Angers. À Rennes,
Et Lille, c'est à Lille. Et attention, hein, ça peut scorer aussi des deux côtés. Ça peut augmenter aussi leur. Je ne sais pas combien on est au niveau de la différence de but, mais ça aussi, c'est à noter. Je vous prie d'arrêter de foutre le moral en l'air à tout le monde. Pour le moment, on a gagné. Et vous, vous êtes en train de vous pigner. Non, là, apparemment, je suis un poison. Je fous le moral à zéro, je suis désolé. Non, mais sans déconner. Bah non, mais que Lille ou Rennes va gagner, c'est pas possible. Mais arrêtez de vous pignoler, ils n'ont même pas joué encore. Si demain, les gars, demain, si gagne, vous allez m'entendre dans le groupe, hein, je vous le dis. Si demain, il y en a un des deux qui perd, Lille et Rennes, ça va être la bronca au téléphone. Dans vos gueules! Comme ça, je vous le dis. Hein, c'est les inconscients, là. Tous, là. Vous pignoler sur Rennes et Lille. Est-ce qu'on peut t'appeler si jamais ils gagnent pas, s'ils perdent pas? Bah ouais, mais attends. Parce que nous, on est cadres. Non, mais d'accord. Mais arrêtez de vous pignoler sur des matchs qui n'ont pas eu lieu. On se pignole pas. Ça se gagne pas comme ça. Ça se gagne pas comme ça. Il faut aller les gagner. Mais toi, c'est le deuxième qui a 20 points. Bien sûr. Ça serait un miracle. Mais pas après. Non, mais ça serait un miracle. Et du coup, tout est faisable. Qu'est-ce qu'ils ont fait en jeu au dernier match? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait en jeu au dernier match? Ils ont fait nul, je crois. Ah bon, ils ont fait nul? Ouais, il me semble. Ouais, contre qui? Non, ils ont perdu contre le PSG, non? Ouais, ils venaient de gagner Lille, hein, il y a 15 jours. Ils ont perdu 2-1. Oui, ils venaient de gagner Lille, hein. Ils venaient de gagner Lille, hein. Oui, voilà, mais je vous dis ça comme ça, au hasard, comme ça. Il y a encore des affaires qui sont ressorties cette semaine à Angers. Bah écoute, tu prendras la valise, on la met dans le coffre. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi, j'y crois encore. Oui, et Ajaccio, ça dit quoi? Putain, là par contre, Ajaccio, je suis un peu moins serein quand même. Parce qu'Ajaccio, c'est mauvais quand même. Ouais, Ajaccio, c'est compliqué. Ouais. C'est pire que Angers. Hein. Ils veulent leur dire que Lille-Angers, ça sent la correction quand même. Écoutez, moi, je suis prêt à aller passer mes vacances en Corse l'année prochaine si vous gagnez Angers. Il n'y a pas de problème. Messieurs, on va terminer ce chat, ce tout ça. Et je vous embrasse à tous. Voilà, que des chialeuses. Voilà ce qu'ils mettent là dans le chat. Là, que des chialeuses. Oui, ils ont raison. Messieurs. Ah non, mais bon, faut être concret, quoi. Je suis réaliste, moi, c'est tout. Enfin, j'ai ma réalité. Lucide. Voilà, moi je suis assez d'accord avec Emery, petit gêné. Et il est pas gêné de nous le dire d'ailleurs, le petit mais gêné. Mais non, mais je suis désolé, tu peux pas être content de cette saison, mais arrêtez un peu. On fait une non, saison mais qui te parle d'être content de cette saison? Oh, on est premier sur la mais France. Après, c'est pas pour ça qu'on va faire 5e. On remonte au score, ça râle, on regagne, ça râle. Il a raison, ça fait que râler. À un moment donné, on n'est pas bon, certes. On est nul, certes. Ouais, ça fait deux fois la même chose. Excusez-moi, moi je suis exigeant avec mon club. Oui, t'es très exigeant avec des mecs qui n'ont pas le niveau, oui, ça c'est sûr. Avec mon club. Oui, mais tu sais, si mon fils joue face à moi, il ne va pas passer au foot. Hein. Bon, après, ce que je veux, c'est pas qu'il passe Julien. Hein. Ce que je veux, c'est qu'il passe les collègues. Hein. C'est comme ça. Bon, bah, là, il faut te dire un truc, c'est que les Lyonnais, ils n'ont pas le niveau. Oui, mais voilà, ok. Alors, ok, ça chiale, ça râle. Mais acceptez aussi qu'il y en a qui ne soient pas contents, c'est tout. J'accepte que tu ne sois pas content. Okay. J'accepte parce que tu as un très beau polo. Oui. Messieurs, j'avais envie de la placer, c'est gratuit. Allez, on y va, cette fois-ci c'est terminé. On va tous aller passer un bon week-end en regardant la défaite de Lille à la maison face à un Ajaccio qui n'a pas gagné depuis 6 matchs. Je vous dis à tous, à très vite. Jules Papigone, un dernier mot de la fin? Un dernier mot de la fin, bah non. Ça y est, ça fait 4 ouais, voilà, non, c'est bien. On est sur une bonne dynamique. Ouais, c'est bon. Pierre, à chaque fois que je te demande un mot de la fin, c'est une tanasse. De toute façon, j'arrête de le faire avec toi. C'est... Pierre. On retient les 3 points malgré tout, et puis en espérant le faux pas des concurrents devant. Très bonne intervention, Pierre. Et voilà, ça, c'est une intervention. Et Ken, je sens qu'il va nous foutre Je citerai une magnifique citation d'un certain écrivain, non, je rigole, de Logan. Les chaleux, c'est toujours mieux que ceux qui se plaisent dans la médiocrité. Bravo. Merci. Par contre, il faudrait peut-être qu'on se mette à parler américain parce que j'ai vu que John Textor il reprend nos phrases. Je parle anglais, déjà c'est l'anglais, Jules. Logan et Ken, mon pauvre, ils sont comme ça. Et attention, j'irai pas plus loin, je vais avoir des problèmes. Hein. Oh, ouais, Logan. Logan, il boit tes paroles. Laisse tomber, hein. C'est un truc de fou. Hein. Chez lui-même, il a pris un surnom et il se. Julien, faut bien que j'en ai quelques-uns qui adoubent ce que je dis et je le remercie. Comme je remercie ceux qui me critiquent, hein, c'est le débat, il n'y a pas de problème. Bah oui. Ouais, c'est pas anodin, ça. Et ça, c'est pas anodin. Cocherie, là, j'aime beaucoup. Il met des trucs de merde et ça me plaît énormément. Messieurs, sur ce,
Je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces. N'hésitez pas à aller. Je vous mettrai dans la description de la vidéo mon code promo NordVPN parce que c'est de la balasse et Jules Papigone vous le confirme. Ciao les Gones, ciao les Fenotes, ciao Memphis, ciao Pierre, ciao Jules Papigone. Et surtout, ciao. N'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais va encore nous faire croire qu'ils sont capables de revenir car on est à 3 points de Lille. Ciao les Gones, ciao les Fenotes et allez l'OL, ciao. Bisous les Gones.